entité passée doit dégager de ces terres. On veut vraiment chasser la France de notre territoire. Parce qu'on a vu que la politique démagogue de la France, ça ne nous plaît pas. L'économie est à genoux. Chaque jour, c'est déplacé. Chaque jour, c'est des meurtres. C'est des pertes de vies humaines, civiles et militaires. Donc, c'est pour dire à la France que nous ne voulons plus de la présence militaire française sur notre territoire. On a fait le bilan pendant 7 ans. On a trouvé que le bilan n'est pas bon. On a eu plus de morts. Je répète, je le dis, c'est pas pour nier ou bien pour faire dégager les Français. Non, la politique française, c'est ça qu'on ne veut pas ici, dans notre pays ici. Trop, c'est trop. On a besoin de Poutine, on veut que Poutine vienne au secours pour aider les Maliens. Le problème du Nord, la France ne peut pas. La France est là seulement pour prendre l'or au Mali envoyé. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français. La France arrive à ses fins, elle doit se préparer. Quels jours je dois rentrer, c'est cela qui doit être aujourd'hui les réflexions de la France, si c'est une France intelligente. À part la France, vive le Mali!